pas du tout testé le map training. Donc on va aller tester le map training. Your best teammate. Remember it. Landmark drill, learn to navigate the map and the location of the landmark. Donc ça, yo YouTube, ça c'est le nouveau truc qui s'appelle map training, donc c'est l'entraînement pour les maps. Ça remplace en partie la terrorist hunt et on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a deux choses dedans, donc il y a le landmark pour apprendre à naviguer dans les maps et de connaître les points clés des maps visiblement, et un target drill, donc un truc avec des targets. On va tester le premier, landmark drill. Ok. Ok, donc il y a des méchants ou... Le but du jeu, c'est juste de se repérer sur la map. D'accord, c'est marrant. Vraiment, c'est juste ça, du coup. C'est chelou comme truc, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça permet vraiment d'apprendre les maps pour le coup? C'est un peu dans le style des tutos que t'avais en début de saison d'avant. C'est un peu de la merde, non? On peut juste rush et ne rien apprendre. On est d'accord, en fait. Je ne vois pas en quoi ça va me permettre d'apprendre quoi que ce soit. Ça me fait d'aller d'un point à un autre. C'est aussi débile que si je me promène sur la map. Est-ce que derrière, il y a des points, à la limite? Il y avait un peu un côté speedrun, ça peut être marrant. Du coup, ça permet d'avoir un truc fun pendant que t'apprends quand même à venir sur la map. Mais là, c'est nul à chier, non? T'es tout seul, t'apprends rien, je vois pas l'intérêt. Peut-être pour les novices et les nouvelles maps. Mais quand bien même, t'appuies sur un bouton où au final c'est pingé déjà. Tu te déplaces sur le ping, quoi. C'est simple en fait. Comment est-ce qu'il fallait le faire ce truc-là? Il faut mettre un temps pour y aller. Un truc un peu au permis de Gran Turismo. Et genre, tu mets un pro qui va trouver le truc tout de suite, quoi. Si tu le fais en moins de machin, t'es gold. Si tu le fais en moins de trucs, t'es silver. Si tu le fais en moins de trucs, t'es bronze. Et si tu mets vraiment, vraiment trop de temps, tu recommences au départ du truc. Et là, du coup, les gens vont être en mode oh putain, merde, faut que je le reprenne. Ça peut être cool. Mais autrement, c'est débile. Faut clairement le faire en mode contre la montre. Même en le faisant à la limite avec plusieurs niveaux de difficulté. Ça n'a aucun sens. Sinon, quel est le fun là-dedans? En plus, ça t'apprend du coup à te dire ok, j'ai réussi à monter là, mais visiblement, il y a une meilleure façon pour y accéder. Parce que là, je suis descendu, mais j'étais que silver. Putain, j'arrive pas à faire gold sur ce truc-là, tu vois. As quickly as you can. Yes, mais qu'est-ce que je gagne que ce soit rapide? À moins qu'il y ait plein de points à gagner, tu vois, mais... Genre bronze en passant par les portes, tout ça, et pour monter en gold, être obligé d'apprendre les rotas. Bah ouais, carrément, ouais. Et te dire, ah, il y a mieux en fait. C'est nul. C'est extrêmement vide. Bon, ça aurait pu être... J'espère vraiment qu'ils vont rajouter un timer, en fait. Un truc un peu excitant, quand même, quoi. D'accord, on est dans une logique où il faut prendre les gens et tranquillement, il faut pas les frustrer et tout. Il faut qu'ils apprennent doucement et tout. Mais le seul moyen pour qu'ils apprennent sans s'en apercevoir et qu'ils sortent de leur zone de confort sans s'en apercevoir, c'est en faisant un truc qui est fun. Là, il y a zéro fun. Autant le mode avec l'intelligence artificielle, c'est sympa, mais ça, c'est naze. Là, pour le coup, c'est vraiment naze. Maintenant, on va voir ça. Ah mais les tirs! Ça c'est déjà un peu mieux, on aurait préféré des bing bing bing. Stairs. Okay. C'est même pas les vrais calls du coup. Appelez ça main stairs. Tout le monde appelle ça main stairs, quoi. Français et anglais, quoi. Ok, c'est déjà un peu mieux. Le mode pour jouer contre des IA qui défendent leur site, c'est pas mal. Ouais, franchement, ça c'est mieux déjà. Mais le target drill ne peut absolument pas remplacer la T-Hunt. Hein. Le truc qui peut remplacer la T-Hunt, c'est le shooting range avec les ballons. Appeler ça blue, quoi.
One target in the central hallway. Three target in the kitchen. Four target in arsenal. Two target in basement. Il est pas là ce fils d'up? Il chance un peu quand même. Ah mais il te touche pas en fait. Attends, je me disais ok. Ouais, c'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Déjà, on aurait aimé le petit ping ping ping. Hein. Pour le faire depuis plein de temps, je trouve ça bien. Après, ça remplace pas la terreau. Faut espérer que la seule chose qui retienne pas de la mâche, c'est la suppression de la T-Hunt. Ça, c'est l'un des seuls trucs qui va être retenu du TTS. C'est bien la suppression de la T-Hunt, les amis. Hein. C'est bien mieux que l'autre. Bah, faut dire que l'autre est vraiment nul pour le coup. Ok, ça, c'est le nouveau, ce qu'ils appellent map training. Donc, d'un côté, landmark drill et de l'autre côté, target drill qui viennent remplacer la chasse au terreau en 2023. Ça manque de côté ludique. Ça manque d'un côté drôle, fun, cool. Pour apprendre, mais quand même en ayant un truc relativement cool, quoi. Mais je suis vraiment très déçu pour ça, pour les newcomers. Là où on avait vu quand même, je sais pas si vous avez déjà testé, le nouveau didacticiel, le nouveau tuto, il est incroyable. Il est vraiment très très bien pour apprendre le jeu, pour des newcomers, pour le coup. Ça, c'est vraiment bof, alors qu'il y avait la possibilité de rajouter un truc très simple, juste un contre-la-montre, mais pas trop punitif, un petit peu comme n'importe quelle mission contre-la-montre, souvent dans des trucs de bagnole ou je sais pas quoi, voilà. Et puis target drill, c'est ok, mais le problème du target drill, bah, c'est toujours la même chose. Sur des maps qui sont 10 fois plus complexes que les maps de CSGO, on peut pas continuer avec des calls qui essayent d'être réalistes avec des couloirs de la cuisine, couloirs principal, etc., etc. On peut essayer de joindre l'utile à l'agréable. Ils l'ont fait par exemple avec les escaliers de la nouvelle map, ça se voit. Les escaliers sont jaunes, donc pour le coup, c'est exactement quel va être le nom de ces escaliers sur la nouvelle map. Et ça, c'est vraiment cool. Néanmoins, il y a quand même trop d'endroits, encore des calls qui sont un peu pourri. La plupart du temps, de toute façon, tous les calls qui sont en deux mots, c'est rare que ce soit utilisé par les joueurs sur le jeu. Et je pense que ce serait quand même pas mal que les gens, ou en tout cas là, quand la nana dit « va tuer des cibles à l'intérieur du hall principal », qu'elle puisse, entre parenthèses, donner le call utilisé majoritairement par pas mal de pros, à savoir plutôt le main, le lounge, le stock, le blue, etc., etc., quoi. Et ça, je pense que ce serait pas mal. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.